Clôture aujourd'hui à Addis Abeba du 33e sommet ordinaire de l'Union africaine. Plus tôt dans la journée, le chef du gouvernement marocain, Saïd Dilet Mani, a présenté le rapport du roi Mohamed VI sur le suivi de la mise en place de l'Observatoire africain des migrations au Maroc. Le rapport s'articule autour de plusieurs axes fondateurs. Un diagnostic de la question de la migration en Afrique, la mise en valeur du rôle clé de l'Observatoire africain des migrations dans le centre de la dans le cadre justement de la bonne gouvernance de la migration sur le continent et l'impératif de placer l'Afrique au cœur de la mise en œuvre du pacte de Marrakech sur les migrations. Il s'agit d'un nouveau mécanisme de l'UA en charge de missions techniques et de terrain. Il contribuera à élaborer des politiques claires, efficaces et réalistes selon le chef du gouvernement. Selon Saïd Dilet Mani, le souverain a souligné que le Maroc a mis à la disposition de l'organisation des locaux modernes, respectant les normes et les standards internationaux pour abriter l'observatoire.